avec ma délégation, nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président Ambalo pour lui demander officiellement la présence de la Guinée-Bissau au FEMUA cette année. Donc c'est une lettre d'invitation que nous sommes venus remettre officiellement pour dire que la Guinée-Bissau est le pays invité d'honneur du FEMUA 16. Voilà. Chers amis, à Salfo, lead vocal du groupe Magic System. Je visite Nes Kaishli et pour lui remettre officiellement convite officiel de Guinée-Bissau, de Côte d'Ivoire, remettre à Guinée-Bissau par festival de musique urbaine de Anoumabo na Costa Marfim. Et que ça sera un honneur et un plaisir pour nous de recevoir toute la Guinée chez nous à Abidjan pour renforcer les liens culturels entre les deux pays. Les rapports sont déjà excellents entre nos deux présidents et la culture maintenant va venir jouer un rôle pour créer un pont culturel entre Abidjan et Bissau. Il essaie de voir par nos récipients la terre ivoirienne, tout la Guinée-Bissau. Est-ce que la Serbie va essayer d'un pont de ligation entre, culturellement parlant, entre Côte d'Ivoire et Guinée-Bissau? Donc on vous remercie et puis on espère vous voir tous, on vous attend tous, c'est pas seulement les artistes, on attend aussi la presse bissau-guinéenne à Abidjan du 14 au 19 mai. Donc on vous attend et on reviendra ici nous-mêmes au mois d'avril pour rencontrer tous les artistes bissau-guinéens pour leur donner la feuille de route de la 16e édition du FEMUA. Nous espérons aussi de vous aussi, comme hommes des médias, et que ce soit artiste, ce soit homme des médias, ce soit un grand event. Pour ça, on arrive à la mise d'avril pour bien harmoniser et consolider cette convite pour participer à quel festival Magaran. Ce qui est fait, avocat, relations entre 12 chefs de stade et c'est meilleur. Et donc, il précise par culture aussi, il y a ses partisans. Par quelle relation pour accompagner et consolider. Tout d'abord. Je vous remercie et vive les relations bissau-guinéenne-ivoirienne. Voilà. Je remercie boss et vive les relations entre Guinée-Bissau et Costa Rica. Obrigado. Obrigado. À la délégation des pays irmãos de Côte d'Ivoire, conduite par Asalfo, qui est fondateur et vocaliste principal du groupe Magic System, qui está na organiza un festival. Grand festival de Côte d'Ivoire et festival d'Afrique qui a participé par quasi la majorité des pays africains et non seulement artistes et hommes pourtant de vários horizontes qui a participé à quel grand événement culturel en que Guinée-Bissau est sano et pays convidado de honra et na quelle occasion Kevin remette sua excellence Général Oumarou Sissoko Embalo, convite du pays pour participer à cet événement qui a couru du 14 à 19 de mai. Est encadré dans les excellentes relations fraternelles entre Sua Excellência Présidente Alassane Ouattara et Sua Excellência Présidente Général Embalo. Ces relations sont dans ce moment et que ce convite a été cimentado, consolidado. Através de cultura, que é um mecanismo de reforça coesão entre nós como país, mas entre nós como país, com si, outros países irmãos, neste caso, a República Irmã de Côte d'Ivoire, através desse grande evento que é FEMUA 2024, que esteja na 16ª edição. Guiné-Bissau, na qualidade de país de honra, tem um grande stand, um pavilhão grande, de que não só não tem homens e mulheres de cultura, artistas, mas não pode fazer exposição de novos produtos, de novos valores culturais, de novo patrimônio, mas também não pode ter nova gastronomia e não pode, de facto, colocar naquele stand também novas grandes forças para poder partilhar, não só com Guiné-Côte d'Ivoire, mas também com outros participantes, suma, por exemplo, parte de nova economia, não vai querer lá, parte de nossa produção agrícola não vai querer lá,
nos capacidades e facilidades de organizar para poder atrair investimento, nesse caso, Centro de Formalização de Empresas, que é um grande valor que Guiné-Bissau tem, né? Não a participar com ela, e não poder também trabalhar no sentido de jovens, poder levá-la sem capacidade também de organizar empresas, no sentido de acelerar empreendedorismo juvenil, portanto, startup juvenil, não poder também expô-la, e assim, portanto, não partilhar experiências com outros participantes.